Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se trouve pour la partie 4 de Little Nightmare et je pense la dernière partie. Alors, on va juste faire un truc, c'est que je vais juste regarder les commandes parce qu'à chaque fois je les oublie. Donc briquet, sauter, lancer, sprinter, saisir. Ok. Ok, bon, je pense que là c'est bon maintenant. Donc, comme ça on court. Allez, donc la dernière fois on s'était laissé ici. Là c'est quoi là? Ok, c'est une lumière allumée. Donc la dernière fois on s'était laissé ici. On avait échappé aux deux cuisiniers fous. Et maintenant, bah, on doit continuer tout simplement ici, dans cet endroit avec des gens qui crient. Je crois que c'est des gens qui crient, je suis pas sûre, mais je pense. Non! J'ai failli tomber. Allez, cours. Ok, on arrive à une petite échelle. Hop, on va escalader. On est parti. Bon, voilà, comme je l'ai dit, je pense que ce sera la dernière vidéo sur ce jeu. Là, je pense qu'on est vers la fin. Par contre, c'est très bizarre, hein. Cet endroit, il est très bizarre. Allez, hop. Oh purée. Ah, on est sur un bateau! Oh ben oui. C'est qui eux? C'est des monstres encore? Mais on est sur un bateau depuis le début? Mais. Et je suis tombée aussi. Mais si on est sur un bateau, genre, je peux pas m'échapper en fait. Enfin, il faut que je trouve un petit bateau de sauvetage tout ça. Mais en fait, j'ai cru que depuis le début du jeu, on allait vers la sortie, mais en fait, il n'y a pas de sortie. Bon, cette fois-ci, je vais réussir. Il faut juste que je me souvienne comment on attrape les choses et tout ça. En fait, là, c'est mort, en fait. Mais, ah, j'arrive pas à attraper la corde, enfin la chaîne. Ah, j'étais tellement mort de fois qu'il n'y a même plus les monstres. Ok, voilà. Bon, y a des monstres. Ah ben voilà, ils réapparaissent. Ils sont bizarres. Hein. Ils sont plusieurs, surtout. Parce que là, le maximum de monstres qu'on a eu, c'était deux. Et là, ils sont trois déjà là. En fait, y a un bateau qui largue des monstres sur notre bateau. Enfin, sur le bateau que je suis depuis le début du jeu. Et ce bateau, je sais pas c'est quoi. Bon, il y a plein de gens par contre. Je suis tout petit, hein. Je sais pas c'est qui, j'espère que. Bon. Voilà quoi. Peut-être, imaginez, c'est des humains. What? On dirait des humains. Je crois que c'est des humains, non? Des humains qui sont un peu enrobés, mais des humains. Bon, ben, j'espère que c'est des humains. Et pas des humains détraqués. Allez, on passe par là. Aïe, ça doit faire mal, ça. Bonsoir. Hop. On dégage ça et on passe. Essayer de pas tomber. Ok. Wow. Là, ils sont près de moi. Ils peuvent me voir là. J'espère qu'ils vont pas me voir quand même. Ah. Il y a une femme. Ah, c'est la femme du début du jeu qu'on avait vue. Elle est bizarre. Elle fait flipper. Elle a un peu les habits japonais. Enfin, les accoutrements japonais. Hop. Sont vraiment bizarres par contre. Oh purée. Ah ok. En fait c'est pour ça qu'il y avait des cuisiniers qui préparaient de la nourriture. En fait c'est parce que c'est ils mangent. Ils viennent là pour manger ici. En fait c'est un grand repas. Lui il est tout seul à manger le pauvre.
Pourquoi tu vas pas manger avec les autres? Oh! What? Il est fou! Mais. Mais comment il est fou lui? Mais pourquoi il. Mais il est malade! Il va manger avec les autres ils sont calmes! Le mec il a vraiment renversé la table! Au secours! Oh, tu. Je crois que j'ai trop cru. Trop cool. Pas que j'aille là, je peux pas passer. Ah, il faut que j'aille sur la table. Oh non, mais je vais me faire défoncer là, je vais me faire attraper. Ok, il faut que j'aille. Hein. Salut. Je fais que passer, hein, vraiment. Hein. Ça va? Je commence à m'attraper. Oh, mais là, je suis mort là. Non, ne m'attrape pas. Oh, oh la chance que j'ai eue. Excusez-moi, j'ai gagné un truc. Ok, c'est bon. Allez, on continue. On a plus le temps. Ok, hop. On esquive les personnes qui mangent. Mangez bien, faites pas attention. Bon. J'aille là, là. Moi, je vais foutre que j'aille là. Hop, on va y aller. Bonsoir. Ah non, c'est juste pour allumer une lumière. Oh non, je dois retourner là-bas. Je crois en fait je dois aller. Attendez, je vais juste enlever ma souris. En fait, je peux même pas l'enlever en fait. Bon, bah, elle doit être en haut à gauche. Hein. Désolé si ça vous gêne. Mais hop. What? Je vais devoir passer sur la table. Je crois, hein. Je suis obligé. What? Salut. Il m'a fait m'attraper. Là. Non, il m'a attrapé. Je me suis trop approché de lui. Ils vont me manger comme la nourriture qui est sur la table. Cette fois-ci, on va vraiment essayer de ne pas se faire attraper. Et au pire, je peux pas. Ah non, je peux pas. Je suis obligé de passer par là. Allez, escalade. Il faut vraiment les esquiver. Wow! Ils ont fait tomber du vin de partout. Non, je me suis fait attraper. En fait, j'arrive pas à les esquiver. Le mec, il m'a mangé. Il a mangé sa main avec. C'est un malade. En vrai, il ressemble un peu au cuisinier de la dernière vidéo. Ils sont un peu pareils. Enfin, non, les cuisiniers, ils voulaient pas me. Ben, si, je crois qu'ils voulaient me manger. Je me souviens plus ce qu'ils voulaient faire avec moi. Non, s'il vous plaît, je vais pas me faire attraper. Mais... En fait, je me fais pousser par sa main, le mec avec le chapeau. Sa main me pousse, et du coup, je me fais attraper. Non, mais sérieux, par contre, je vais pas rester bloqué sur ça. Non, allez, on va réussir. On va réussir quand même. Juste bien que j'esquive. Mais en fait, c'est compliqué hein, d'esquiver, parce qu'en plus, ils ont des grosses mains, il n'y a pas beaucoup d'espace sur la table pour moi. Bon, là, c'est facile. Là, j'esquive lui. Vous savez quoi, on va y aller doucement. Okay, en fait, il faut pas du tout y aller doucement. Allez, là, cette fois-ci, je réussis. Bon. En fait, le problème, c'est que la notion de la 3D sur ce jeu, elle est assez compliquée à voir. Ok, là, je monte. Là, je monte. Vas-y, monte. Voilà. Cours. Et là, je me fais pousser par la main du mec. Allez. C'est à partir de ce moment-là, bah, là, j'arrive pas. Là, je monte. Là, je monte. Donc là, il faut pas les enlever. Et là, regardez là. Oh, je réussis. What? Hein? Non, mais c'est une blague. Mais dès que je réussis, je tombe de la table. Oh, je me suis fait pranker là. Allez, hop. Je passe là. Là, je passe là. Lui, il a renversé du vin partout.
Il a garni sa viande. Yes. Bon, ben, yes, hein. Après, je ne me suis pas grippé par contre. Hop. Allez, monte. Bon, monte. Voilà. Bon, je passe là. Passe là, je monte là. Allez, yes. Non. Oh non, j'ai fait tomber. Oh, ok, voilà, parfait. Hop, elle monte. Allez. Oh. Y a un truc là. Wow, what? Ah, mais y a de la nourriture pour moi là. Prends la saucisse. Je le jette. Allez, on continue. Là, je crois qu'il faut que j'aille là-bas, non? On va voir. Hop. Bonsoir. Oh non. Ils veulent tous m'avaler. Non, arrêtez. M'avalez pas. Bon. Oh. Mais ils veulent vraiment tous me manger. Une sorte de fou. Oh non, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, mais là je suis bloqué là. C'est juste que je trouve comment on fait pour glisser de là. Je sais pas. C'est pas grave. Mais là je suis. Attendez. On va tenter une cascade. Cascade. Oh non, là je vais me faire taper. Ok, je me suis pas fait attraper, la cascade a réussi. Allez, passe, non? Oh la chance! Ok, maintenant il faut que j'aille là. Bonsoir. Eh, une petite statue là. Oh non, pas lui! Pas encore le cuisinier. Ah. Il y a un truc pour se cacher. Le cuisinier démoniaque. Viens, moi. Ah bah oui, viens. Ah, mais il m'a vu? Lui, il doit en avoir marre de me voir parce que je suis toujours là. Depuis tout à l'heure, enfin depuis la dernière vidéo, je les embête là dans leur cuisine. Il a tout fait tomber. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas ouvrir la porte. Il y a des trucs. Je peux pas monter. Là, peut-être là, il faut que je jette dans les toilettes, non? On va essayer de jeter le truc dans les toilettes. Non, mais j'arrive pas à jeter. Le lancer, normalement, c'est X. Ok. Donc là, je fais ça. Jette dans les toilettes. Déjà, j'arrive même pas à viser les toilettes. Mais arrête de viser toujours au même endroit. Voilà, tire là-bas. Mais alors attendez, je viens de trouver la solution, mais pourquoi il veut pas tirer dans les toilettes? Bon, je sais pas. C'est pas grave. Bon, on a trouvé au moins, c'était. Il fallait casser les miroirs, il y avait un passage secret. Ok. On arrive ici. Tu passes là, ouais, tu passes. Ok, c'est bon, j'ai cru qu'il allait pas passer. Purée, en train de cuisiner de la bonne viande. Ah, mais on peut aller. On peut récupérer la statue, non? Ok. Je l'ai cassé. Et moi, je pars en tchao, mec. Allez, au revoir. Ok. Arrivé là. Je dois aller là. Non, il y a un truc allumé. Ok, non, je vais aller là-bas. J'espère qu'il n'y a plus le cuisinier. Ok, non, c'est bon, il n'y a plus le cuisinier. Oh purée, mais c'est quoi ça?
Regardez la tête qu'elle a. Mais là, ils vont me attraper là. Au secours! Je me fais poursuivre. Regardez comment ils sont fous. Mais ils cassent tout. Oh purée. Il y a une troupe de moutons qui est en train de me poursuivre. What? Mais ils cassent tout. Mais c'est quoi? Ok, là c'est tombé. Oh non. Mais il y a tout. Il y a tout le monde sur moi. Oh la chance que j'ai. Allez, attrape. Yes. Oh. What? Oh, il y en a un qui est tombé. Mais what, c'est quoi ce jeu? Il y a un mec qui est tombé. Oh non, il a faim. Mais il y avait plein de nourriture là-bas. Et pourquoi t'as faim quand il n'y a plus rien? Il n'y a plus de nourriture. Si l'arrière, il y a du vin. Tu veux du vin? Ben, je pense qu'il n'y a pas mangé de vin. C'est un peu un mineur. J'ai dit quand même manger du vin. Je voulais dire boire du vin. Arrête, mais calme-toi. T'inquiète, on a trouvé de la nourriture. Il devait y avoir... Ah ben regarde, il y a de la bouffe en haut, c'est bon. Ah mais non, mais regarde, il y a ce gentil lutin qui me donne une saucisse. Voilà, t'avais pas besoin de t'énerver comme un malade, là, avoir faim. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, mais, il est trop bête. Mais mange la saucisse, pas le... Non, mais, il est cannibale, mon personnage est cannibale. Mais, il vient de... Non, mais what? Mais j'ai plus envie de jouer, là, mais il lui a bouffé le visage. Regardez, il y a son petit visage, là. Il est ouvert. Il est fou, bon, au moins, on a plus faim. On va dire le bon côté des choses, mais bon, on vient de bouffer le mec qui nous aide depuis le début de l'aventure. Bon. On continue, hein. Ah. Oh non, c'est quoi ça encore? Après les hommes qui ont très faim, maintenant, une femme démoniaque. Elle est vraiment très creepy. Ah ben. J'ai trouvé une statue d'elle. Hop, on casse. Elle est vraiment très creepy par contre. Hein. Je pense que ça doit être le perso le plus creepy du jeu. Allez, on va prendre l'ascenseur, nous, hein, avec elle. Hein. Madame, je vais prendre l'ascenseur avec vous. Ah non, non, les amis, on va encore être bloqués comme au début du jeu pendant 400 ans parce que je sais pas viser. Alors attendez, on va regarder un truc dans les paramètres, on va voir comment tirer. Donc sauter, lancer, là je suis d'accord. Se déplacer, sprinter. Mais en fait, je comprends pas comment on fait pour viser vers le haut, en fait. On va essayer de prendre de l'élan. Regardez, en fait, il le tire pas très haut. Allez, plus haut, mec. Bon, les amis, on va encore être bloqués là pendant 400 ans. Je fais un cut et je vous retrouve quand j'ai réussi à ouvrir tout simplement l'ascenseur. Ok les amis, après une demi-heure, j'ai enfin réussi à ouvrir... Non, en vrai, au bout de 5 minutes, j'ai enfin réussi à ouvrir l'ascenseur. On peut enfin partir de cette pièce. Succès déverrouillé, la salle de réception. Alors moi, j'ai pas trop été réceptionné. Hein. Oh purée, c'est quoi cet endroit? J'aime pas ça. Oh, c'est creepy. C'est très très creepy même. Une ambiance. Déjà, il y a des yeux sur les murs. Il y a une ambiance qui est pesante. Là, il me faut une clé. Ok. Il faut que je trouve une clé. Mais il y a une ambiance bizarre. Et là, il y a des yeux partout. Il y a des femmes sur les murs. Oh. Oh purée, c'est creepy. Oh. Regardez. En train de se brosser les cheveux. Cette femme est très creepy. Je vais faire des cauchemars. Bon, c'est pas vrai. Mais bon, elle fait peur quand même. Imaginez, vous vous réveillez la nuit et vous voyez une femme comme ça chanter devant votre lit. Yes, hein. Bon. Moi, je dois trouver une clé. Regardez sur le mur, il y a une petite fille, je crois que c'est elle jeune.
C'est quoi ça? Tiens, vas-y. Ah, je vais le faire tomber, ça va l'attirer. Oh. Je suis mort là. Ok. Oh, mais il y a la clé! Yes, on a trouvé la clé. On a trouvé la clé, mais par contre, on a énervé la meuf. Je pense qu'elle a entendu ça, elle a fait oh purée. Alors, regardez, il y a une petite statue sur son meuble. On va pouvoir la casser. Alors, si j'arrive à passer la porte, voilà. Bon, j'espère par contre que elle va pas entendre le bruit du cassement de la statuette. S'il te plaît, elle a pas entendu. Ok, je crois qu'elle a pas entendu, c'est bon. On peut continuer. Bon, elle a plus l'air d'être là, elle est partie. Elle est partie vite, par contre. Enfin, il y a des mannequins partout, on peut confondre. On peut la confondre avec les mannequins. Oh, mais regardez comment ça fait peur. Allez. On va passer ça là. Bonsoir. Oh non, je suis mort. Après, il y a deux. Oh, je suis mort. Elle m'a vu. Je me fais poursuivre. Oh, le bruit qu'elle fait. On dirait la spirite dans DBD. Elle fait le même bruit. Mais par contre, pourquoi il fait froid, hein? C'est pour ça qu'il y a de la fumée qui sort de la bouche du personnage. Parce qu'à mon avis, il fait très très froid. Oh non, c'est elle. Mais je suis mort là. What? Mais c'est quoi cette salle? C'est immense. Cours. Cours pour ta vie. Ah, mais là, elle m'a vu, là, elle va essayer de me tuer, hein. Oh là, elle m'a entendu, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un miroir. J'ai pris le miroir. Je l'amène quelque part. Le miroir. Elle est là-bas! Regardez, vous la voyez? Madame? Elle m'a vu là. What? Je vais aller là où il y a de la lumière. Ah, le miroir, elle ne peut pas. Je crois qu'elle aime pas son reflet, non? Je vais aller là où il y a de la lumière parce que je sens que là où il fait noir, elle peut m'attaquer. Viens me voir. Viens, viens regarder ton reflet. Ah, regardez, elle a peur. Enfin, c'est pas qu'elle a peur, ça lui fait mal. Ah, mais maintenant que j'ai découvert ton point faible, ça va être drôle. Regarde, juste tu te mets ici. Madame, viens, j'ai un miroir. Je crois que c'est ce miroir en particulier. Vas-y, approche-toi. Voilà, t'es nul. Pars bien loin. Moi, je reprends ça. Allez, viens. Viens au miroir, viens. Je t'attire, je t'attire. Voilà, fais-moi peur, c'est ça. En attendant. Trop nul. Elle a peur de son propre reflet, je crois. Enfin, son propre reflet, elle n'aime pas le regarder. Je pense que c'est pour ça qu'elle a un masque. Alors, je vais continuer. Moi, je peux continuer tout le temps que tu veux. Je crois qu'on l'a tuée, là. Elle a fait un gros cri. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai faim. Non, je vais pas aller grailler là. Non.
Mon perso, il est pas aussi cannibale que ça, quand même. Regardez, déjà, elle est pas bien. Bon, elle est méchante, mais elle est pas bien. Je l'ai défoncé là avec le miroir, mais je suis pas cannibale, non. Mais mon perso, en fait, il était tout sympa le long de l'aventure, mais là, il est en train de devenir malade. La limite, c'est mon personnage, le monstre. Allez, je te graille. Ah, lui graille le cou en plus. C'est appétissant tout ça. En fait, c'est ça. On était là tout le long de l'aventure, d'un petit cauchemar, enfin, Little Nightmare en mode. Oh purée, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, c'est pas possible là. Et là, ça, en fait, c'est elle le boss du jeu, en fait, au final. Regardez comme. Mais qu'est-ce qui. Oh non, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais en fait, ça s'appelle petit cauchemar parce qu'on croit que c'est les monstres, le cauchemar. Mais en fait, c'est nous. Au final, on devient pire que les monstres qu'on croise tout au long du jeu. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les monstres ils veulent nous tuer. Parce qu'on est démoniaque. En vrai, ça, non, je pense pas tant. Ah, je peux pas allumer mon briquet. Regardez, mais j'ai des pouvoirs surnaturels. Je suis en Super Saiyan 3 là. Là, je suis en Ultra Instinct. Là, vraiment, il n'y a plus rien qui m'arrête. What? Je suis en train de détruire toutes les lampes. Oh, mais là, j'ai des pouvoirs tard à l'époque là. Déjà, c'est quoi cette musique? Bon, je comprends pourquoi il y a de la musique creepy, vu ce qu'il se. Oh, regarde. Lui, il veut me bouffer, ça meurt. Allez, hop. En fait, là, je suis devenu invincible. La personne peut me tuer. Regardez. On arrive. Le début du jeu, c'était un petit personnage tout petit. On était en mode, ouais, le petit personnage, il est sympa. Il est genre un petit personnage tout petit, avec zéro pouvoir, qui avait l'air d'être nul. Un enfant. Et là, le jeu, ça se termine. Où on est plus puissant que tous les personnages réunis. Ouais, mais la musique, par contre. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette musique? Ils sont tous en train de décéder. C'est la musique la plus chétanisée au monde. Bonsoir. Petit œil, ouvre-toi. C'est moi le plus fort ici. Je peux éclater la porte si je veux. Ah. On a trouvé la sortie. On a trouvé la sortie du bateau. On a trouvé la sortie, mais on trouve la sortie vraiment très énervée. Alors c'est quoi la sortie? On est arrivé à la terre ferme, hein? Succès déverrouillé, les appartements de la dame. Oh, la dame, elle a pas fait long feu, on l'a explosé, on l'a mangé. Je crois qu'on est arrivé sur une île, non? Parce qu'il y a des mouettes, il fait beau, il y a beaucoup de soleil. Allez, hop, monte-moi ça. Vraiment, cette fin du jeu est très bizarre. Hein. Regardez, il y a le petit lutin. Il y a tous les petits lutins qui sont en mode wesh, il est bizarre lui. D'ailleurs, on sait toujours pas qui c'est le petit lutin. Ah, je crois que je suis arrivé tout en haut là, je suis sur l'île. Ah, écran noir. Ok, on a fini le jeu. Waouh, le jeu était ultra bien, mais par contre la fin, elle était, c'est voilà, c'est pas dans tous les jeux qu'on a une fin comme ça. Elle était très bizarre. On sait toujours pas notre personnage. En fait, je crois qu'on a récupéré les pouvoirs de la dame là qu'on a tuée avec le miroir. On a récupéré son pouvoir et on dirait que le pouvoir nous est monté à la tête et on est devenu trop fou. Alors je sais pas si c'est le pouvoir qui nous contrôle, c'est pour ça qu'on tue tout le monde, ou si c'est nous. Qui, avec le pouvoir, ben on s'est dit on est beaucoup trop fort. Bon, en tout cas, les amis, on a terminé d'ailleurs notre premier let's play. C'est la première fois qu'on termine un let's play sur cette chaîne. J'espère que le let's play vous a plu. Moi, il m'a vraiment plu. C'était un très très bon jeu. Donc, on l'a terminé en 4 vidéos, ce qui est plutôt pas mal. Donc, voilà, les amis. Donc, moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce jeu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Allez, ciao tout le monde!